Il est avec Guillaume de Thieulois, l'animateur de l'émission religieuse de TV Liberté, Terre de Mission. Bonjour Jean-Pierre Mogent. Bonjour Martial Bilne. Vous êtes par ailleurs président de Renaissance catholique et vous venez d'écrire un texte important que j'ai là intitulé « François, le pape de l'exclusion ». Mais avant d'expliquer ce titre, il faut revenir sur une affaire qui fait grand bruit. Il faut bien le dire, dans les milieux catholiques, la publication du motu proprio traditionnis custodes, gardien de la tradition. Et pour comprendre tous les enjeux de l'événement, eh bien, je vais vous interroger, même s'il faut remarquer que cet événement peut paraître quand même bien lointain pour beaucoup de Français, et très très loin et très éloigné de leurs préoccupations, vous en convenez ? – J'en conviens. – D'accord, alors qu'est-ce qu'un motu proprio après tout ?– Alors un motu proprio, c'est un mot latin, motu proprio, ça veut dire de son propre mouvement, proprio c'est propre, motu c'est le mouvement, voilà, c'est le propre mouvement, c'est une décision que prend le pape seul. Ce que l'on peut observer, c'est que depuis le début de son pontificat, le pape François a fait 44 motu proprio, alors que dans la même période, le pape Benoît XVI avait fait 13 motu proprio. Donc on a là un exercice solitaire, d'une certaine manière, du pouvoir. Il n'y a jamais eu autant de motu proprio en si peu de temps. Le motu proprio du 16 juillet 2021, je l'ai indiqué, s'appelle Traditionis Custodes. Il abolit, en fait, un motu proprio qui avait été celui que le Saint-Père Benoît XVI avait promulgué, Summorum Pontificum Cura, c'est-à-dire la sollicitude des souverains pontifes. Que contient le nouveau document par rapport à l'ancien ? Alors, le nouveau document est en fait constitué de deux parties. Il y a le texte lui-même et puis il y a une lettre explicative adressée à l'ensemble des évêques du monde entier, qui est plus complète, qui fait 4 pages. Qu'y a-t-il dans ce document ? Le document dont vous avez parlé, Summorum Pontificum, accordait la liberté de la célébration de la messe dite traditionnelle, celle qui a été célébrée dans l'Église latine jusqu'en 1969, et mettait cela sous la responsabilité des curés de paroisse. Les personnes qui souhaitaient assister à cette messe s'adressaient au curé, et le curé avait pour consigne de répondre favorablement. Voilà, c'était ça la situation. Le nouveau document change complètement la perspective, puisque l'autorité, en fait, sur la célébration de la messe traditionnelle est transmise aux évêques avec un objectif extrêmement clair. Il est formulé de manière tout à fait limpide. C'est d'arriver au fait que cette messe traditionnelle disparaisse, avec une formule un peu juridique qui nous dit que le nouvel ordo missae est la seule expression de la lex orandi de l'Église. C'est-à-dire, c'est la seule manière légitime, reconnue, d'exprimer la foi de l'Église. Donc un texte qui avait été un texte de libération et qui aujourd'hui est un texte de restriction d'une part, avec également un certain nombre de vexations, il faut bien le dire. – Juste encore pour qu'on comprenne bien les choses, est-ce qu'on a une forme ordinaire de la messe, une forme extraordinaire de la messe? Est-ce que la différence, c'est, comme on le réduit souvent dans la presse, le fait que c'est en latin? Est-ce que alors, ce n'est que cela ?– Non, l'expression ordinaire, extraordinaire, en fait, était l'astuce théologique que le pape Benoît XVI avait cherché pour arriver à concilier la volonté qui était la sienne de redonner sa place à la messe traditionnelle sans remettre en cause la réforme liturgique. Et donc il avait trouvé ce petit tour de passe-passe sémantique en 2007 et qui, effectivement, d'un point de vue théologique, avait suscité un certain nombre de demandes. Mais le problème, comme vous le dites justement, ce n'est pas la question du français et du latin, c'est le fait que la réforme liturgique a, par rapport à la messe traditionnelle, manifester un certain nombre de nouvelles orientations que remettent en cause, en particulier les gens qui restent attachés à la forme traditionnelle de célébration de la messe. – Ce qu'on voit dans le texte de Traditionis Custodes, dans la lettre apostolique du pape, on dit que les lectures devront être faites en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans la langue d'origine du pays et pas en latin. On a le sentiment qu'il y a vraiment une insistance à ce que le latin soit abandonné.
Oui, mais c'est enfoncer une porte ouverte dans 95% des lieux où se célèbre la messe dite traditionnelle. Les lectures sont soit faites directement en français, c'est la, alors dans la langue vernaculaire, par exemple, c'est le cas pour la fraternité Saint-Pédis, c'est le cas pour la fraternité Saint-Pierre, soit en latin, et puis ensuite sont traduites, c'est en particulier généralement le cas de l'Institut du Christ-Roi. Donc c'est enfoncer une porte ouverte. – Et les fidèles ont aussi un missel dans lequel ils peuvent suivre bien évidemment en français ce qui se dit en latin. – Bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui. – Et quelle est la situation liturgique depuis 2007? Alors 2007, c'est la publication du Motu Proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI. On est jusqu'en 2021. Cette situation entre 2007 et 2021, je vois les observateurs ou les spécialistes disent en gros, ce terme qui revient, c'est apaisé. La situation était apaisée. Est-ce que vous reprendriez ce terme à votre... Alors, il y a deux choses que l'on doit observer. C'est qu'effectivement, il y a peu de points de crispation, puisqu'en fait, généralement, mais pas partout néanmoins, les demandes des groupes stables ont été satisfaites, mais pas partout. Nous l'avons évoqué dans le cadre de Terre de Mission. Il y a toujours des difficultés à Saint-Germain-en-Laye, à Dijon, en ce qui concerne la France. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, surtout, c'est que cette forme de célébration de la messe traditionnelle, quand elle a perduré, après son interdiction en 1970, les autorités romaines ont d'abord dit « Oh, de toute façon, c'est une affaire de vieux, ils vont mourir. C'est une affaire d'esthète, ça n'intéresse pas grand monde. » Et puis, on s'est aperçu que ça perdurait, ce qui a débouché sur un document en 1984, et puis en 1988, après les sacres d'évêques opérés par Mgr Lefebvre, sur une première phase de libéralisation. Et puis, ça a continué à se développer. Et là, l'argument, c'était en particulier l'argument du pape François au début de son pontificat. Oh, on lui disait, ben, il y a beaucoup de jeunes. Et il l'avait observé, beaucoup de jeunes, des jeunes ménages, des jeunes familles, etc., qui se convertissaient par la messe traditionnelle. Oh, ben, vous savez, tout ça, c'est un phénomène de mode. Comme disait Thibon, la mode, c'est ce qui se démode. Et ça passera. Et en fait, ça ne passe pas. Et donc, le phénomène marquant de ces 14 années depuis 2007, c'est le développement régulier, constant de la célébration de la messe traditionnelle, avec un phénomène qui en particulier semble-t-il le déclencheur de tous ces événements, c'est que historiquement, un certain nombre de communautés étaient attachées à la célébration de la messe traditionnelle, soit des communautés religieuses, en France, les bénédictins du Barou, Fongombo, etc., soit des communautés assimilées à des prêtres séculiers, la fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi. Mais le phénomène nouveau depuis une dizaine d'années, c'est que de plus en plus de prêtres diocésains, donc de prêtres qui ont la responsabilité d'une paroisse, soit comme curé, soit comme vicaire, etc., demandent à célébrer cette messe traditionnelle, et c'est en particulier ce qui est observé en France, mais également en Italie. Et cette volonté de réappropriation de la tradition de l'Église par une partie du jeune clergé, c'est cela qui apparaît insupportable à certains. – Jean-Pierre Maugend, parmi les arguments que j'ai lus et qui soutiennent le motu proprio de François, il y a une notion essentielle qui revient tout le temps, c'est celle de l'unité de l'Église. L'usage du missel de 1962 a caché, dit-on, le rejet du Concile Vatican II. Et ça risque donc de diviser l'Église. Est-ce que ça, c'est un argument qui porte, qui est fondé ? Alors, ne serait la situation, ça prêterait à sourire, l'unité de l'Église. Quelle unité de l'Église ? Il n'y a plus d'unité de l'Église. Il n'y a plus d'unité liturgique de l'Église, et c'est prévu dans la réforme liturgique. C'est-à-dire que quand on regarde les documents officiels, à de nombreuses fois, dans ce que l'on appelait autrefois les rubriques, le prêtre pourra ceci, le prêtre pourra cela. Il n'y a plus d'unité liturgique. Aujourd'hui, en France, quand vous allez à une messe dans deux paroisses différentes, vous n'avez pas la même messe. Parce que le prêtre, dans tel endroit, il fait ci, ailleurs, il fait ça, voilà. L'unité liturgique n'existe plus. L'unité doctrinale n'existe plus. Un sondage est paru au mois d'août dernier, dévoilant le fait que 70% des catholiques américains ne croyaient plus en la présence réelle. Il n'y a plus d'unité doctrinale. Et puis, il n'y a plus d'unité non plus dans la pratique pastorale et dans la morale. Dans certains diocèses, eh bien, vous pouvez accéder à la communion en étant divorcé, remarié. Dans d'autres, vous ne le pouvez pas. Et on a vu il y a quelques semaines des bénédictions de mariage homosexuel, les églises étant pavoisées aux couleurs arc-en-ciel dans les églises d'Allemagne. Cet appel à l'unité dans la situation dans laquelle se trouve l'Église aujourd'hui,
C'est tristement totalement décalé. L'unité de l'Église n'existe plus. Vous rejetez cette notion qui pourrait être grave du birritualisme, c'est-à-dire deux visions de l'Église qui seraient différentes, sinon même opposées. Alors, deux éléments. Le premier, c'est que la multiplicité des rites a toujours été une réalité de l'Église latine. Quand en 1570, le pape Saint-Pie V promulgue ce qui devient la messe traditionnelle, donc par la bulle quo primum, il instaure ce qui devient le missel romain, mais, et c'est fondamentalement différent avec ce qui se passe aujourd'hui, il laisse droit de cité à toutes les traditions liturgiques qui avaient plus de 200 ans d'âge. Ces traditions liturgiques, c'est tradition liturgique à Milan, le rite ambrosien, à Lyon, le rite lyonnais, à Grenade, le rite mozarabe, les traditions liturgiques des dominicains, des cartusiens. Et donc l'unité de l'Église n'était pas l'unité du rite. Et ça s'est passé pendant des siècles comme ça. Et donc aujourd'hui, prétendre à ce que l'unité de l'Église se fasse autour de l'unité d'un rite, qui en plus est un rite qui par nature est divers en fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la logique de tout ça. – Jean-Pierre, je vais essayer de trouver un nouvel argument. – Mais qui essayez, aussi avancé. Essayez. C'est, ce qui est dit clairement, c'est que la forme ordinaire s'impose au regard de la situation réelle dans laquelle se trouvent les communautés de fidèles. Je traduis, aujourd'hui la messe en latin, la messe selon le missel de 1962, est trop compliquée, trop dure, et donc prive les gens la possibilité de comprendre ce qui se alors, passe dans à la votre, messe. Votre argument… – Ce n'est pas mon argument, c'est l'argument que je porte, à votre connaissance. – Eh bien, il y a un vieux… dicton de scolastique qui nous dit « contra factum non fit argumentum », c'est-à-dire contre les faits, il n'y a pas d'argument qui tienne. Les communautés traditionnelles ne seraient pas en plein développement numérique, votre argument serait peut-être recevable. N'empêche que les faits manifestent le contraire, c'est-à-dire que cette forme, effectivement, dont l'accès au premier abord n'est pas toujours facile, ben finalement elle rayonne. Elle est missionnaire et elle attire des gens. Soit c'est ça c'est la réalité, au-delà des fantasmes idéologiques. Jean-Paul II et Benoît XVI avaient combattu certaines dérives liturgiques modernes. On voit que la sacralité donc, attire de nombreuses personnes vers le rite ancien, c'est ce que vous dites et ce dont vous témoignez. Alors pourquoi dès lors cet acharnement contre la liturgie traditionnelle? C'est pourquoi pas moi qu'il faut poser la question. Vous avez peut-être une idée. Vous dites que c'est le pape de l'exclusion. J'ai malheureusement une idée. L'idée, vous voyez, c'est que si la liturgie nouvelle était le développement à la fois naturel, surnaturel et continu de toute la tradition de l'Église, s'il y avait une continuité logique, on ne pourrait reprocher après tout aux gens qui restent fidèles aux formes de prière d'il y a 50 ans qu'une seule chose, c'est de leur dire « vous avez 50 ans de retard ». Et en soi, 50 ans de retard à l'échelle de l'Église, ça n'est pas très grave. En revanche, si le mode de célébration de la messe traditionnelle et si la réforme liturgique manifeste des ecclésiologies, des orientations théologiques différentes… Alors là, effectivement, la position du pape François se comprend, parce qu'on a affaire à deux réalités qui, effectivement, sous certains aspects, sont des réalités différentes. Et j'avoue que malheureusement, je ne vois pas d'autre explication que cela. On peut penser à la fameuse phrase qu'avait employée le cardinal Benelli, substitut de la secrétaire d'État, dans un entretien avec Mgr Lefebvre. Il lui avait parlé de l'Église conciliaire. Et Mgr Lefebvre l'avait regardé en disant « Mais éminence, qu'est-ce que vous dites ?» Il n'y a qu'une Église, il y a l'Église catholique. Et je pense que malheureusement, ce type de décision tend à faire croire et est peut-être sous-tendu par le fait qu'il y a deux Églises. Il y a une Église ancienne et puis il y a la nouvelle Église qui est l'Église conciliaire. Alors, dans ces motu proprio, il y a des acteurs, on le voit bien, le pape François, on voit bien évidemment le pape Benoît XVI, on voit les évêques, les fidèles. On va regarder chacun. Donc, regardons. Benoît XVI, est-ce que… on peut considérer que le motu proprio qui efface son travail peut être considéré comme une injure, détricotée ou déconstruire son pontificat de son vivant. – Je pense que Benoît XVI vit ça comme une crucifixion, voilà, c'était un des éléments, nous l'avons dit tout à l'heure, il a fait peu de motu proprio.
Et puis toute son œuvre théologique le manifeste, c'est cette volonté de manifester, mais on en voit la limite aujourd'hui, ce qu'il appelait, lui, une herméneutique de continuité. C'était de montrer que les réformes conciliaires étaient dans le prolongement naturel de la tradition de l'Église. Et c'est dans ce cadre-là que les autorisations plus libérales qu'il avait données à la célébration de la messe traditionnelle étaient cohérentes intellectuellement. Je pense qu'il vit ça comme une immense blessure, comme une trahison, et puis aussi comme une atteinte, d'une certaine manière, à la sacralité de l'Église. Voilà, il y a cette phrase du cardinal Ratzinger que l'on connaît. Voilà, ce qui était sacré pour nos anciens ne peut pas cesser de l'être aujourd'hui. Et par ce document, le pape François nous dit que ce qui était sacré pour nos anciens ne l'est plus. Et ça, c'est une rupture. – Jean-Pierre, on en vient au pape François. Il relance le débat ou la guerre liturgique, selon les termes, vous choisirez celui qui vous convient. Quel est son objectif? Vous avez dit, en dehors de ce plateau, vous m'avez dit un terme qui m'a beaucoup marqué, vous m'avez dit, il est méchant. – Alors, ça, je crois que c'est vrai, même un certain nombre de commentateurs bien intentionnés l'ont noté, quoi. Il n'y a pas un mot, les évêques de France, dans leur communiqué, ont noté, nous prenons en compte le zèle spirituel des fidèles qui sont attachés à la célébration de la forme traditionnelle. Il n'y a pas un mot de ce type dans le document du pape. Il n'y a pas un mot de prise en considération. C'est vraiment un texte extrêmement violent, brutal et, je le crois, méchant. La volonté, et le pape l'affirme très clairement, c'est de faire disparaître la célébration de la messe traditionnelle. Voilà, ça a le mérite d'être clair. L'objectif, c'est que cette messe disparaisse. – Vous venez de parler des évêques. Les réactions des évêques français sont des réactions, on pourrait dire, mitigées d'accueil de ce texte avec beaucoup, beaucoup de recul. C'est une surprise. – De recul et puis de prudence. Parce que je pense que les évêques de France sont suffisamment… – Mais quand on vous écoute souvent, on dit oh, « les évêques, ils réagissent pas, les évêques, ils sont mous, les évêques, ils sont ceci, ils sont cela ».– Mais c'est pas contradictoire de ce que je vais dire. – Non, je vous écoute. – Je pense que les évêques de France, qui sont au courant de la réalité de leur diocèse, des diocèses qui, pour un nombre important, sont en état de semi-faillite financière, dont Mgr Chauvet le rappelait il y a bientôt un an, voilà, 30% des fidèles pratiquants ne sont pas retournés à la messe après le déconfinement. Donc tout cela, ça a des conséquences. Et puisque les évêques de France savent aussi, c'est qu'une des mesures du motu proprio, c'est d'interdire la célébration régulière de la messe traditionnelle dans les églises paroissiales. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Les évêques de France savent pertinemment que s'ils mettent ça en œuvre demain, ils se préparent à des manifestations devant les évêchés d'une part et à des occupations d'églises d'autre part. Je pense que par prudence, ils ne le souhaitent pas, cela d'autant plus que vis-à-vis de l'opinion publique, alors que le pape se présente dans ses discours comme le pape de la miséricorde, du pardon, de l'accueil, vis-à-vis des homosexuels, vis-à-vis des divorcés remariés, vis-à-vis des migrants, ça ferait quand même un petit peu tâche, quoi. C'est-à-dire, on accueille les homosexuels pour des bénédictions dans les églises, mais les gens qui demandent à participer à la messe comme elle était célébrée partout il y a 60 ans, ça c'est impossible. J'avoue que c'est difficile à faire passer. Quand on regarde tout cela, quelle est la réaction des gens qui sont attachés à cette tradition? La première réaction, c'est de se dire, peut-être, après tout, le motu proprio de Benoît XVI en 2007 avait été accueilli tout aussi mollement par les évêques et mis en place de manière très difficile, puisque 15 ans plus tard, on voit qu'il y a encore des problèmes. Oui, vous oui. avez évoqué Dijon et Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que, après tout, ce motu proprio, on peut faire en sorte de ne pas l'appliquer, de ne pas en tenir compte? Et ça, est-ce que c'est la première possibilité? Alors, les évêques, comme on vient de l'évoquer, stricto sensu en France, les évêques ne vont pas l'appliquer. Parce qu'ils vont remonter à Rome, que ce n'est pas possible. L'évêque de Versailles, Mgr Crépy, vient de faire un texte dans lequel il dit, voilà, là, moi, dans mon diocèse, c'est 8 lieux de culte, dont une paroisse, Notre-Dame des Armées. Il ne va pas tirer un trait là-dessus en mettant 10 000 personnes à la rue. C'est pas possible. Et donc, je pense que sous cet aspect, ça ne pourra pas être appliqué.
Pour votre réaction, pour votre question concernant la réaction des fidèles qui vivent ça, je crois qu'il y a deux catégories. Il y a les plus anciens, dont au maléfice de mes cheveux blancs, je fais partie. Oh là là, mon Dieu, nous avons assisté à la messe dans des salons, dans des salles à manger, alors que dans l'église d'à côté, le curé célébrait les mérites de la révolution palestinienne. Voilà, j'ai connu ça quand j'étais à Rennes, l'église Saint-Augustin. Alors, on en a vu d'autres, on en verra d'autres, et il faut beaucoup plus de choses pour nous décourager. Et puis, il y a les plus jeunes, soit qui sont des convertis, ce sont des jeunes familles, et là, je pense que pour beaucoup, c'est l'incrédulité. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait de mal alors que, pour un certain nombre d'entre nous, nous nous sommes convertis grâce à cette messe, qu'elle nous apporte le supplément d'âme, le sens de Dieu dont nous avons besoin, et puis aussi qu'elle nous permet de transmettre la foi à nos enfants? Ça aussi, c'est un élément, il est intervenu sur Terre de Mission, enfin c'est l'émission qui sera mise en ligne dimanche prochain, Hubert de Cézieux manifeste, et toutes les études sociologiques le confirment, d'une certaine manière, la formule est un peu rapide, mais c'est la réalité, que plus le milieu familial, plus le milieu ambiant est traditionnel, dans de meilleures conditions, la foi sera transmise. Voilà. Et c'est ça que vivent les communautés traditionnelles. C'est ça que vivent les jeunes familles. En disant, voilà, je fais confiance à la pastorale sacramentelle, à la pastorale catéchétique, qui a été celle de l'Église pendant des siècles, qui me donne satisfaction et qui me permet de transmettre peut-être le bien le plus précieux que j'ai à transmettre à mes enfants, qui est le trésor de la foi. Pourquoi m'empêche-t-on de vivre selon cette manière ? Jean-Pierre Maugeant, c'est à désespérer de l'Église. Non, oh là là, mon Dieu, l'Église en a vu bien d'autres. Je rappelle qu'au moment de la crise arienne, c'est saint Augustin qui nous le dit, le monde se réveilla tout étonné d'être à rien. Voilà, les évêques qui n'étaient pas rien, c'était sur les doigts d'une main. Saint Athanase, Lucifer de Cagliari, Saint Hilaire de Poitiers. Et puis sur la personne du pape, eh bien, ma foi, nous avons eu à travers l'histoire de l'Église des papes qui n'étaient pas obligatoirement des modèles. Je pense à des papes libidineux, comme Alexandre VI, orgueilleux, comme Boniface VIII, fastueux à l'extrême, comme Léon X, hérétique en tant que docteur privé, comme Jean XXII, des papes guerriers, comme Jules II, des papes autoritaristes, comme Pie XI, des papes faibles, comme Liber, Honorius, Paul VI, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons, et certains le perçoivent comme cela, un pape méchant. Bon, ben voilà, mais ça ne change rien à la pérennité de l'Église, ça ne change rien à la fidélité que nous devons avoir aux successeurs de Pierre, et puis ça ne change rien à notre foi et à la confiance que nous devons avoir dans le fait que le Christ a donné à son Église et à son unique Église les paroles de la vie éternelle. Jean-Pierre, c'est aussi à désespérer du bon Dieu. Non. Une nouvelle épreuve. Ben oui, mais je crois que le bon Dieu, c'est la formule qui est connue, voilà. Il écrit droit avec des lignes courbes. Ce qui nous est demandé, c'est de rester fidèle, c'est d'accepter qu'à chaque instant, même si nous souffrons, bien sûr, dans l'Église, le père Clérissac a écrit des choses admirables là-dessus, nous pouvons aussi accepter de souffrir par l'Église, mais que si c'est le cas, c'est toujours conforme à la volonté divine. Voilà, ce qui nous est demandé, alors on pense aussi à saint Paul, voilà, nous ajoutons par nos souffrances ce qui manque d'une certaine manière, entre guillemets, à la passion du Christ. Et puis je crois qu'également ces épreuves, ça doit être un moyen, ben, peut-être, de retremper nos énergies. Voilà, nous nous étions peut-être installés dans une situation de confort. Et ben, la vie du chrétien, c'est pas une vie de confort. Voilà, Miles Christi, c'est une vie de combattant. Merci Jean-Pierre Maugeant d'avoir apporté des éclaircissements sur ce motu proprio du souverain pontife intitulé Traditionis Custodes. C'est le motu proprio du pape François dont on aura l'occasion certainement de reparler. Merci Jean-Pierre Maugeant, on vous retrouve merci dimanche. De m'avoir accueilli. On vous dimanche, retrouve dimanche jusqu'à la fin du mois, hein, jusqu'à la fin du mois de juillet, après les vacances, un peu avec Guillaume de Thieulois. Pas avec, ensemble, mais chacun de votre dans côté. Dans la même émission. Dans la même émission. Merci à vous. Merci Martien.